Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Car j'ai la victoire. Car j'ai la victoire. En ce mois de mai. En ce mois de mai. 2024. 2024. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur les esprits impurs. Sur les esprits impurs. Sur les démons. Sur les démons. Ainsi que sur toute activité. Ainsi que sur toute activité. Des pouvoirs du ténèbre. Des pouvoirs du ténèbre. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur très fort. Lorsqu'on parle de combat spirituel, il faut bien, très bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Le combat spirituel bitumba ya molimo veut dire en d'autres termes le combat des esprits. Bitumba ya milimo. Le combat spirituel veut dire le combat des esprits. Bitumba ya molimo elingi koloba bitumba kati na milimo. C'est-à-dire le combat qui oppose les esprits. Elingi koloba bitumba oyo milimo nde bizali kobunda. Ce combat là etumba ndengo wana pour le vaincre. Pour olonga na yango, il ne faut pas être charnel. Esengeli na yote ozala moto ya suni. Il ne faut pas être humain. Esengeli ozala kaka na bomoto te. Tu dois être spirituel. Esengeli ozala ya molimo. Le combat spirituel, bitumba ya molimo, c'est un combat qui commence d'abord et qui doit être vécu en toi. Ezali etumba oye bandaka nanu pe oye koki kolonga yango kaka kati na yo nanu. Je n'ai jamais oublié cet enseignement du Père. Natikala kobosa na tema la kisio ya tata. Il nous a dit ceci. Alobaki na biso boye. Notre premier ennemi. Monguna na biso ya liboso. C'est notre chair. Ezali suni na biso. C'est ton corps. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Mais tandis que l'esprit qui habite dans l'homme, qui est spirituel, c'est cet esprit-là qui sera enlevé. Je ne sais pas si tu m'as compris. Il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est spirituel, mais il habite un corps matériel, un corps physique qu'on appelle Moïse. En réalité, on devrait dire. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit nous allons à la levée du corps d'eux. Pour aller enterrer. L'esprit, quand il se sépare du corps, c'est à ce moment-là qu'on parle de la mort. Quand l'esprit se retire, le corps sera appelé le corps de le nom du défunt qui vient de mourir. Mais son esprit, selon les Écritures, si il était enfant de Dieu, son esprit va dans le paradis. Dans le paradis, en d'autres termes, c'est le sein d'Abraham. C'est le lieu du repos en attendant l'enlèvement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous les vivants,
Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres termes, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur a un signal donné. Au son de la trompette, descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Quand le corps de quelqu'un repose dans un cimetière, mais son esprit n'est pas là dans ce cimetière-là. Son esprit est dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est l'équivalent du paradis. C'est pourquoi Jésus à la croix a dit à l'un des brigands qui lui a dit: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Le Seigneur lui a dit: aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc le paradis n'est pas un monde spirituel qui viendra sur la terre. C'est un lieu de repos de ceux qui dorment en Jésus-Christ. Alors le combat spirituel doit être remporté par l'esprit de l'homme qui vit dans un corps. Et sengelinde molimo ya moto oyazali kofanda na kati na nzoto moko nde longa. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Yangwana lobakatango nyos. Quand le pourcentage de l'esprit est supérieur au taux de la chair, tango molimo eleki likolo ya nzoto, on parlera de l'homme spirituel. Tokoloba moto ya molimo. C'est l'esprit dans sa supériorité qui gère les passions de la chair. Mais quand c'est la chair qui est supérieure à l'esprit, il s'agit d'un homme charnel. Parce que ce sont les désirs de la chair qui gouvernent l'homme. Celui-ci vit au rythme de sa chair. Mais lorsque nous venons à Christ, nous nous convertissons. Nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous allons dans les eaux du baptême. On prie pour nous après par imposition de main. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Nous devenons spirituels. Et de ce moment, à partir de ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui vient prendre le contrôle de l'esprit de l'homme. Et nous devenons divins sur terre. Nous devenons des fils de Dieu. Parce que c'est l'Esprit du Père qui nous gère. Et c'est là toute la différence par rapport à ton comportement et à ton mode de vie et les autres qui n'ont pas fait la même expérience que toi. La frontière existe entre le monde païen et le monde chrétien. C'est lorsque tu as accepté Jésus comme sauveur, tu es impacté par le Saint-Esprit de Dieu, tu sors du monde, tu rentres dans l'église. C'est cela qu'on appelle conversion. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu deviens une nouvelle créature. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Alors,
Voyez. Le combat spirituel. Bitumba ya molimo. Avant de t'opposer yambote okota ni tumba wana avec le monde extérieur spirituel na mokili oya libanda ya molimo, il doit d'abord commencer en toi. C'est-à-dire la victoire de l'esprit sur les passions ou les désirs de la chair. Elingi koloba ete molimo nde elonga likolo ya baposa ya nzoto. Celui qui était en dehors de Christ, oyazaki libanda na Christo, était une prostituée, azaki moto ndumba, était un fumeur, azaki tamusu komela likaya, il était un escroc, azaki moto azobuba ba, il était dans une mauvaise vie, azaki kobika mokamo malamu. Mais quand il s'est converti, il doit abandonner. Il doit délaisser. On doit l'appeler Yuma. Par ses amis qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ne mènent plus le même mode de vie que. Parce qu'il a connu la transformation. Il s'engage dans celui qui est le chemin. Et l'esprit de celui qui est le chemin va le guider. Il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il va marcher dans la lumière. Parce que le chemin est aussi la lumière. Et la lumière éclaire son chemin. Il sait où mettre son nez. Il sait où mettre ses pas. Parce qu'il est éclairé. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand le diable venait pour arrêter le Seigneur, le Seigneur a dit, le prince de ce monde vient. Mais il ne pourra pas m'avoir. Parce qu'il n'y a rien qui lui appartienne à moi. On ne peut pas vaincre les démons quand tu es alcoolique. On ne peut pas lancer les hostilités contre les mauvais esprits quand on vit dans la prostitution. Il faut d'abord que tu sois délivré. Parce que la délivrance, c'est le fait de chasser les mauvais esprits et les démons. Voilà pourquoi tu dois assujettir ton corps. Le corps qui est l'enveloppe qui porte ton esprit doit obéir à ton esprit. L'esprit ne doit pas obéir à la chair, mais c'est la chair qui doit obéir à l'esprit. Que le Dieu de la porte te donne la suprématie sur le mauvais esprit. Que l'onction du Père qui est un ange supérieur te couvre afin que les démons dans ta famille, même dans la parcelle là où tu habites, n'arrivent pas à te défier. Mais chaque fois que tu t'approches, qu'ils reculent et qu'ils soient incapables de t'affronter. Ils le critiquent, ils déclarent. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Reçois l'onction et l'esprit du Père. La victoire est ton partage. Enseigne-moi demain. Ils te feront la guerre, mais ils seront
seront ton marchepied. Ton fils de l'apôtre Léopold. Envoyé ici à Barongo pour toi. J'ai l'esprit du Père. L'onction du Père m'a ouvert. Pour déverser l'esprit du Père en toi. Reçois cet esprit. Sois impacté. Deviens quelqu'un d'autre. Deviens quelqu'un d'autre. Allez, Samé. Allez, Samé. Allez, Samé. Que tous les démons, les esprits, qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui te laisse tranquille, en ce mois de mai, qu'ils partent, qu'ils partent, qu'ils partent. Ces démons qui sont venus avec des maladies, j'ordonne aux démons des maladies, héréditaires, j'ordonne à ces esprits-là, de plier bagages et de lâcher ta vie. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Sortez des corps.